Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une vidéo dédiée à un fan-made. Un fan-made qui est sorti il y a quelques jours, voilà, le 7 juillet. Donc, Legend, A Dragon Ball Tale. Donc voilà. Ceux qui savent, je pense que la vidéo a fait son petit buzz sur la Ah toile ces derniers oui, c'est jours. clair, 4 millions de vues, mais presque 5 millions d'ailleurs. Voilà, pour un fan-made, c'est pas mal, Voilà. c'est justifié, c'est mérité. Voilà, Ça, c'est une masterclass. c'est ça. Donc c'est ça. Donc du coup, petit fan-made adapté par le studio Stray Dog, donc qui ont fait un magnifique travail. Donc évidemment, on a vu la vidéo, Bien sûr. voilà. Mais on va y réagir une nouvelle fois, voilà, avec vous, on va dire, histoire de, voilà, on va dire un peu ce qu'on a aimé dans la vidéo, tout C'est ça, simplement. dire pourquoi on a kiffé ce truc. Pourquoi C'est ça. je me dis que ça, c'est un des meilleurs trucs concernant, enfin, un des meilleurs projets concernant Dragon Ball depuis les 20 dernières années. Certainement, Bah ouais, oui. certainement. Donc, allez, on relance ça et puis, bah voilà, bon, on va réagir à ça comme il se doit. Hop. Allez, go. Ah, mais quelle masterclass, quelle masterclass! C'est incroyable. Incroyable. Quelque chose qui leur a pris 4 ou 5 ans à faire en plus. Ça mériterait que Nelson Montfort, ils disent phénoménal, c'est phénoménal, phénoménal, phénoménal. How can a man do this? Le GOAT. Ouais, évidemment, il n'était pas tout seul quand même. Non, Il y a mais une équipe bon. derrière lui, c'est un Mais petit non, studio, mais quoi. bien, voilà. Mais quand Évidemment. même. Son initiative. Du gros travail, quoi. Là, tout de suite, t'as un peu une petite vibe années 90. C'est clair. Planète Vegeta, bien. Raditz et Yama Nappa. n'a pas hérité. My son, stay strong. Roi Vegeta toujours là. Le roi Vegeta, il a un flow Your crown incroyable. is here, Là, son fils, c'est encore and mieux. your kingdom awaits your return. D'ailleurs, c'est un petit détail, hein, mais j'ai remarqué que ce Vegeta fait pratiquement la même taille que Goku. Ah oui, aussi, c'est vrai, Ce qui n'est pas habituel. c'est vrai, j'avais pas fait gaffe. D'habitude, Vegeta, il est vraiment petit. Oui, il est petit. Hein. Clairement, il arrive au pec de Goku. Bon, voilà, ça reprend sur Goku contre Chichi. Avec Camille et Mister Popo qui sont au fond ils sont au fond assis. Quand il veut, je l'avoue que là ça. Elle a fini de jouer là. Le Saiyan de légende. Le Saiyan légendaire, pardon. Le vrai, pas cette route de Dragon Ball Super. Bon bah les couilles, je préfère l'ancienne version. T'es un vrai vilain, bon bah. Au moins c'est un vrai antagoniste, merde. Je suis d'accord. À son défaut, c'est vrai que c'était superficiel Oui, le bien sûr. pourquoi il était Bien vilain. sûr. Mais je préfère ça à l'autre qui est juste handicapé, merde. Il est pas fini le pauvre. On lui tabasse dessus pendant 2 heures. Non, puis oui, ça c'est pas. C'est pas un vrai méchant, quoi. Ouais. Comme je dis toujours, pour moi, le Broly de Super, c'est bizarro, quoi. Over 9000! Oh, le merde. J'ai Vegeta qui a un flow. The green light. The gold you fashion. It's not every day that a king leaves his throne. But for you, I make a royal exception.
Le reveal, là, incroyable. T'es flou, incroyable. Le flou, incroyable. Putain, ça se voit qu'il est plus grand. Oui, c'est vrai, là, je capte bien. Un Broly plus marqué. Flou, il est incroyable aussi. Incroyable. J'aime vraiment l'art style, tu vois. Petite référence avec Bulma qui attrape le truc, voilà. Yamcha, t'es un keuk. Par contre, Yamcha, il y a les deux versions différentes dans la vidéo, c'est ça qui m'a marqué. Il y a la version à côté de Krillin, tu sais, mais le Yamcha à l'ancienne, et puis après, il y a le Saint Yamcha, je dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? J'aime aussi le fait qu'ils ont conservé les queues de sang aussi. Ouais. Bah c'est vrai que ça c'était un truc qui avait du flow à l'ancienne. Bien sûr. Puis après au bout d'un moment bah ça s'est perdu, tu vois. Alors que je sais pas, c'est la base des Saiyans, tu vois. Si on dit retour aux origines, faut rester là, faut reprendre ça, quoi. Même côté Netrunks avait pas de queue, tu vois. Toriyama il avait oublié. Ouais, Toriyama a dit qu'il avait oublié. Moi j'ai toujours peu, avant de savoir qu'il avait oublié, moi je me suis toujours dit, bah l'explication oui, c'est tout simplement que leur père la coupe. Parce qu'ils se disent, ouais, c'est dangereux cette merde. Ouais. Ouais. C'est dangereux cette merde. Regarde. Ouais, comment il fait rebondir. Ça l'enchaîne. Voilà. Flash qui échoue. Ça attrape par le callback. Mais ça j'aime bien, tu vois, il lui met des coups, il sort de sa forme Super Saiyan. Ouais. Et il la reprend juste après. Ça, ça a du flow. Voilà, le truc de l'épée, c'est lourd. Il dit c'est lourd. Je me suis dit, mais ça sort d'où? Ça sort d'où, mais l'idée, elle est géniale, tu vois. Ouais. Bon, là, on voit que c'est pas le Vegeta... traditionnel, hein, parce qu'il aurait jamais dit Kakarot. Oui. Notre Vegeta. On me rappelle les heures sombres de Videl contre... comment il s'appelait, l'autre? Sporovitch. Spopovitch. Ouais. Beaucoup de Dragon Ball, c'était bien violent. Ah oui. C'est chaud cet épisode. Bien sûr. Au point où les épisodes VF à l'ancienne, ils avaient censuré pas mal de moments. Mais moi, à l'époque, je regardais tout. Oh, c'est chaud. C'était une torture le jeu. Et ça, un concept. C'est sûr que c'était pas Dragon Ball Super. Hein. Ça, un concept de transformation, c'est génial aussi. Ouais. Voilà, tu dis ça. Lourd. Tu dirais un émigre Ghost Rider. Là. Le dieu Son Goku. Il y a un petit côté Naruto presque, ouais. Tu vois. Kyubi Naruto. Ouais, ça devient bestial. Ah, c'est incroyable. Nao Kakaro. Lourd. Là, y a pas de bullshit où je veux l'affronter tout seul, je veux le terminer tout seul, parce que c'est comme ça que les Saiyans font. Oui. Allez, ta mère. Lui, il a dit, faut qu'on termine, lui, là. C'est une menace. Ça, voilà. Ça serait jamais produit dans le manga, non. Tu vois. Jamais. Mais à l'ancienne, j'aimais bien. Le fait que ça continue maintenant, on lui dit, va te faire chier. Oui, non, mais à l'ancienne, pourquoi pas. Stop calling me that. That name is your birthright. For you, just like I. Legacy of a proud race of golden warriors. We are the keepers of the primal light. Your light is out of control and must be refined to be useful. C'est vraiment un nouveau concept que je trouve intéressant. Tout en respectant le concept de base. Ouais. And come with me. We have to prepare.
For what? War. Contre Frieza? Mais bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Là, c'est un monde où Frieza... Enfin, c'est une timeline où Frieza est pas venu les sous-merdifier, tu vois. Ils savent qu'il arrive. Ils disent, ouais, bon. Enfin, déjà, qu'on... Enfin, qu'on se prépare. On n'est pas des biatchs. Vous faites passer pour des biatchs habituellement. Voilà, ça va. Tous autant qu'ils ont. Mmh. Sans exception. Le seul truc à sauver dans Dragon Ball Super. Ah, ça va être putain. Ah, l'opening 2 là, il était dans. Ouais, masterclass. T'as la petite scène post-générique. Broly qui n'est pas mort. C'est logé dans la lune. Voilà. On fait une Saitama. La lune, elle prend toujours cher de toute façon. Ouais, mais là, il a un bras en moins. Ouais. Voilà. Le seul à avoir subi ça dans Dragon Ball, c'est la version Mirai Gohan. Oui, c'est vrai. Personne d'autre avait vécu un truc pareil dans Dragon Ball, hein, perdre un bras. Ou un membre, même, tout simplement. En tout cas, dans les personnages principaux, oui. Longtemps. Et ouais, bah, Broly qui change de shift, tu vois. Et voici l'artiste. L'artiste qui est la tête de ce petit bonbon. Même niveau coupe et pilosité faciale, il fait penser à Son Wukong aussi. Tu vois que le truc, ça marque sa vie. Le focus fout la merde, là, mec. Laisse-le. Ouais. Être un animateur, ce n'est pas un caméraman. Dis-toi, avec un budget, il fait quoi? Ouais. Ah, il ferait du lourd. If this film was something that you really loved and you're excited to see more of my other work and animations, please consider contributing to my Patreon. Your patronage will be deeply appreciated. Non, mouille, là, faut supporter. And who knows, maybe the next one won't take 4 years. 4 ans. J'imagine que beaucoup de gens se sont abonnés à son Patreon. Oui, mais normal. My planet needs me. Ben oui. See you on whatever comes next. À très vite, hein. Ah là, il nous tease, là. Il nous tease. Il a raison, il a raison. Il nous tease. En tout cas, voilà. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. Non, c'était trop bien. Voilà, c'est quelque chose d'incroyable. C'était trop bien. T'es fan de Dragon Ball, tu vois ça, tu kiffes. Ouais. Je suis désolé. Si tu kiffes pas, t'es pas un fan. Si tu kiffes pas, je sais pas ce que t'es. Ou que t'es vraiment très réfractaire au changement, tu sais. En plus, le truc, c'est que c'est même pas dans... Parce que ce que j'aime avec ça aussi, c'est pourquoi tu peux aussi bien rentrer dedans, c'est que c'est pas en mode c'est la suite de Dragon Ball Z. Non, c'est pas canon. Non, c'est genre... C'est la fin de Dragon Ball, couplé avec un début de Dragon Ball Z en mode... voilà, ouais, je fais mon truc. Voilà, c'est une petite vision personnelle du gars, quoi. C'est très bien. C'est très bien, ça permet de prendre de la liberté et de pas toujours pouvoir faire un truc en mode... Tiens, ça va être un Super Saiyan avec des cheveux, c'est sûr que... je sais pas quelle couleur, tu vois. Il envoie des chiottes. Non, mais je m'en bats les couilles. Il envoie des chiottes. Parce que attends, on a ça. Tu vois, en plus, le timing, il est incroyable. T'as ça. En ce moment, on est là en train de se taper la promotion de Dragon Ball Super Héros. Là, avec, excusez-moi les termes, mais l'autre Gohan Blancos de mes couilles. Le truc qui était. T'as moins quelques white, quelques voilà, Blancos. Quelques Blancos. Hop. Dragon Ball Super a entendu. Ah bah ça... Ils ont dit allez, let's go. Ouais, de toute façon, après le Goku l'ultra Black. Instinct. Il y a quelques années, quand ils ont fait Goku Black, juste parce qu'il s'habille en noir. Là, on a Gohan Blancos, parce qu'il est vraiment Blancos. Et quand tu vois qu'ils font Gohan Blancos, alors que en fait c'était un fan art, une idée de fan qui datait d'il y a 3 ans, 3-4 ans à l'époque où Dragon Ball Super ça passait à la télé. Enfin, ça passait. À la télé, oui. Je me dis, waouh,
En fait, la succession de trucs qu'on a avec les Vegeta violets, Ultra Ego, mais... Ultra Ego, je suis le plus fort. Mais bouffe tes couilles. Et Goku qui passe de Ultra Instinct à je sais pas quoi. Tu dis, mais waouh. En fait, ce qui est canon maintenant, c'est juste changer la couleur des cheveux. C'est ça. C'est genre le truc que tout le monde se dit... Enfin, à l'ancienne, la surenchère pour tout le monde, c'était genre, plus il a de cheveux, plus il est fort. À l'ancienne, avant qu'ils arrivent avec leur truc canon de Dragon Ball Super, on se dit, plus il a de cheveux, plus il est fort. C'était un peu ça, le délire. Ouais. Oui, mais même dans l'inconscient collectif, quand on est là, à l'ancienne, t'étais petit, t'étais au collège, tu tapais sur Internet Dragon Ball, enfin, Super Saiyan, je sais pas combien, et t'avais ton Goku avec des cheveux en spaghetti, là, je sais pas quelle forme, tu dis, oh, dinguerie, alors que ça n'existe pas. T'avais le Super Saiyan 5 qui était argenté, tu dis, oh, dinguerie. Là, maintenant, c'est genre, tu changes de couleur de cheveux, t'es plus fort. Ouais. Va te faire foutre. Parce qu'ils veulent parce qu'en plus, de se foutre de notre gueule, en plus, c'est défaillant. Mais clairement. Parce que c'est pour faciliter l'animation. Mais clairement. C'est pour faciliter l'animation. C'est pour ça qu'ils ont lâché le Super Saiyan 3 depuis longtemps. Exactement. Non, que dalle, c'est trop dur. La seule fois où ils l'ont réadapté, c'était dégueulasse. Voilà. Au tout début, là. On avait ce truc, là, qui ressemblait à rien. Mais là... Le fameux épisode 4. Ouais, le fameux... Il famoso. Mais là, c'est vraiment en mode... Il y a une idée derrière. Là, on essaye de raconter autre chose avec le matériel de base. Quoi. C'est pas juste, c'est la suite de Dragon Ball Z, voilà, il se passe ça. Non, c'est vraiment une période qui apparaît, voilà. Qui appartient à son propre univers. Ouais. Voilà, et puis... Voilà. Et qui a ses propres idées, ses propres interprétations des personnages. Comme on peut voir Broly, c'est pas... il s'inspire du Broly qu'on connaît de base dans les années 90. La meilleure version de Broly, je le répète. Et t'essayes d'en faire un peu autre chose. Vegeta, c'est le Vegeta que tu connais, mais avec un twist en mode, et si il avait jamais rencontré Frieza, et si l'Empire Saiyan il s'était étendu comme sans problème, tu vois. Et que les mecs se sont préparés à affronter le Super Saiyan légendaire, et que ce soit pas devenu une choix en mode, oh putain, c'est le Super Saiyan légendaire, on peut rien faire. Ouais. J'aime l'idée. Non, c'est vraiment, vraiment un très bon fan-made. Ah, on se demande vraiment ce que ça aurait donné avec plus de budget. Voilà, on se demande ce que le gars là et son équipe sont capables de faire avec plus de budget pour des suites éventuelles ou même d'autres projets. Hein. Bien sûr. Voilà. On se pose des questions. J'ai hâte de voir de quoi ils sont capables, parce que tu te dis, les mecs, ils ont fait ça en 4 ans, tout seul dans leur petit groupe là, leur petit studio, et nous ont pondu un des meilleurs trucs qu'on ait pu voir concernant Dragon Ball. Je suis d'accord. Tu leur donnes des moyens, tu leur donnes des sous, tu leur donnes un vrai studio, plus de gens. Et là, ça prendra pas 4 ans. Mais le mec est capable de prendre une dinguerie. Moi, je vais voir la suite, là. Je veux les voir affronter Frieza. Là, Gohan, il n'existe pas encore. Là. Je veux les voir les mecs en mode, ah, vas-y, on va former Gohan à se taper et tout. Nanani, nanana. Je veux voir ça, moi. Parce que Vegeta, putain, ça fait longtemps qu'il a pas eu autant de flow. Par contre, si Goku est pas mort, comment Gohan est entraîné par Piccolo-san? Et là, Piccolo, là, on l'a même pas vu. Donc ce serait... Attendez, ça peut... Oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave, ça peut être skippé, c'est pas un problème. Ça. Franchement, là, à cette heure-ci, je m'en fous. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Ah, parce que bon, après, c'est si... pas la peine de réécrire d'une autre façon ce qu'on a déjà vu, en fait. T'as pris le parti pris introduire Broly. C'est quand même plus ou moins ce qu'il a fait quand même. Oui, mais il a quand même introduit Broly à ce moment-là. Hein. Ne serait-ce que, par exemple, le combat Goku contre Chichi, ouais. Et compagnie, voilà. Bon. Ouais, mais bon, il a sorti Broly juste après. Le truc qui est pas censé arriver maintenant, mais clairement pas. Ah oui, non, ça non. Ouais. Non. C'est censé ne pas arriver. Le mec il se transforme en Super Saiyan. C'est censé ne pas arriver du tout. Le mec se transforme en Super Saiyan. Pas canon cette merde. Le mec se transforme en Super Saiyan contre Broly. Ouais. Donc. Tu peux faire ce que tu veux après. Piccolo il peut toujours être là, mais bon, après, fais ce que tu veux avec. Hein. Et puis en plus de ça, il faut quand même en arriver à cette forme du Piccolo orange avec du coup le Gohan Blanco. Voilà. Il faut les voir côte à côte. Voilà, un peu, comme magnifique. Dans Dragon Ball Super Super Héros. Enfin, voilà. Piccolo carotte. Après là, je suis salaud parce que je spoil peut-être des gens. Moi je m'en bats les couilles. Les gars, si vous attendez Dragon Ball Super, Super Héros, avec impatience, et que vous avez pas envie d'être spoilé,
Ne deviens pas insultant là. Je ne l'insulte pas. Parce que je sens. Oui, mais je sens que t'es non, pas loin là. Non. Il est sur le fil. Non, je ne veux pas être insultant. C'est juste que je compatis parce que vous aimez être des femmes battues, quoi. C'est là où vous faites insulter par Toei et Toriyama. C'est là où vous en demandez plus. Arrêtez, les gars. Des fans battus. Mais oui, non, mais arrêtez, les gars. Des fans battus. Appelez le numéro vert. Appelez les secours, sortez de cette torpeur, merde. Vous êtes là, on vous tabasse comme ça, là, on vous chie dessus, tiens, mange ma merde, tiens, mange des figurines, tiens, mange des nouvelles couleurs. Vous êtes là, oh, pourquoi pas, vas-y, encore un autre, Et bien sûr, des nouveaux jeux vidéo. Oui, bien sûr. Parce que ça arrive, évidemment, bien des sûr. Nouveaux jeux vidéo voilà, avec toutes les nouvelles transformations. Voilà, la petite transformation ultra ego ou en mode Gohan Blancos à 5 balles. Oui, parce que c'est évidemment à débloquer. Mais bien sûr, c'est évidemment. À télécharger. Voilà, la transformation elle est pas gratuite. Piccolo Orange. Piccolo Orange, ça vaut 6 balles. On connaît les bails, on connaît. Ça vaut 6 balles, mec. On connaît les bails. PSN, tout ça, on connaît les bails. Voilà. Non, mais les gars, réveillez-vous, merde. Je préfère encore soutenir des mecs qui essayent de faire quelque chose avec ceux qui fuient Dragon Ball. Ce qui vraiment fut Dragon Ball et pas ces conneries de Dragon Ball Super. Ils sont là en train de vous piller les poches, les gars. Ouais. Réveillez-vous. Donc voilà ce qu'on veut voir. Mais oui. Voilà ce qu'on veut des voir. Des prises de risque, parce que voilà. De l'autre côté, là, ils font rien. Et je finirai en disant des BGT supérieurs à DBS tous les jours de l'année. Et plus le temps avance, plus je me le dis. Quoi. Moi, je me suis fait la réflexion à la fin de Dragon Ball Super. Hein. C'est pas. Ouais, tête d'homme, je me suis dit, d'accord, c'était ça votre truc. Certes, de l'autre côté, c'était pas ouf, mais au moins ça cherchait des trucs. Ouais, c'était plus recherché. C'était plus recherché. C'est que ça pêchait peut-être au niveau des combats. Après, l'histoire aussi, elle était pas dingue non plus. Hein. Ouais, non, évidemment, c'était lent, c'était machin, mais bon, voilà. Et encore, au moins, c'était court. Ça durait quoi, 64 épisodes. Oui, en tout machin, là, c'est pas fini. Il y en a 150 ou je sais pas quoi, et t'as encore la suite qui va arriver parce que t'as les films et tout. Ouais, vas-y. De la gueule du monde comme ça. Bref, en tout cas, dites-nous ce que vous en avez pensé. Voilà. Dites-nous quelle partie du petit fanmate vous avez préféré. Dragon Ball Legends, c'est la vie. Et puis voilà quoi. Dites-nous ce que vous pensez un peu de tout ce qu'on a dit là. Est-ce que vous vous attendez dans les DBS tous les mois? Voilà. Est-ce que vous attendez DBS tous les mois? Est-ce que vous attendez impatiemment le film qui va sortir? Voilà. Est-ce que vous avez peur de vous faire spoiler Dragon Ball Super Héros? Est-ce que DBS supérieur à DBGT Dites-nous tout ce que vous voulez, dites-nous tout ça dans les commentaires. Non, mais dites. Je vais attendre. Allez, tchuss. Réveillez-vous.